que je retiens, c'est vraiment qu'on était vraiment une équipe soudée. Vraiment, c'est beau à voir. Après, voilà, les résultats, c'était vraiment le gros bonus. Mais voilà, je pense qu'on a eu des émotions individuelles, mais vraiment collectives. Et je pense que vraiment, c'est vraiment ça que je retiens des championnats du monde à Budapest. C'était vraiment c'était quelque chose de beau et qu'on n'oubliera jamais. Parce que, à une course individuelle, après on partage notre médaille avec tout le monde, mais voilà, quand on fait une course en relais, puis les Français on est connus, voilà, en bassin, on a toujours performé sur le 4x100 ou 4x2, donc c'était à nous de montrer en eau libre que maintenant on pouvait faire les mêmes choses qu'en bassin. Et c'est une médaille qui est multipliée par 4. Quoi. C'est vraiment des émotions complètement différentes de l'individuel et puis c'était sympa à vivre. On voit que j'ai fait des courses de libre après les championnats du monde et on voit que ça attire énormément de monde comme la Fituat. Pour nous, c'est super de voir autant de monde qui s'intéresse à notre discipline. Donc j'ai un peu une responsabilité de continuer à faire des résultats pour attirer encore un maximum de monde dans notre discipline. Et puis je pense que l'eau libre, ça correspond bien un peu à ce que les gens recherchent, le défi. Et maintenant il y a les Ironman, il y a l'eau libre. Je pense que les gens recherchent vraiment des défis. Je pense que notre discipline va venir d'année en année vraiment une discipline qui va vraiment de plus en plus intéresser les gens. Et c'est avec des résultats qu'on fera comme on a fait à Budapest, que ça attirera le maximum de gens. Cette série, on l'a fait 12 fois. 25. Et on est costaud. On fait 25 soupes derrière, 75. OK. Costaud, 25 soupes, il y a du repos en plaquette. On y va. C'est le même travail, différemment qu'on a fait lundi après-midi, 50-150. Là, on fait 25-75. Et hop! Revenu d'un mois de vacances, donc je suis bien reposé et là on est vraiment reparti sur une bonne base. Là on a un peu plus de 8 km par entraînement, donc on est bien reparti. On a des objectifs en fin de saison qui sont importants, donc on est reparti sur une bonne base et puis j'espère faire mieux que ce qu'on a fait à Budapest. Les objectifs, ça va être tout d'abord j'ai championnat de France en petit bain, j'aimerais faire un peu mieux, même si je sais que c'est un peu compliqué pour moi le petit bain, mais j'aimerais bien faire vraiment des belles choses après. On verra la forme que j'ai, parce que il y a les championnats du monde militaire juste après, donc je pense qu'on va plus préparer cette compétition-là qui sera en grand main et qui sera un peu mieux pour moi. J'aimerais bien faire vraiment un bon 1500, voire approcher mon meilleur temps, voire même le battre. Donc ça va être le premier gros objectif de l'année. Puis après, il y aura les championnats de France bassin. J'aimerais bien conserver mes deux titres sur 800-1500. Et puis après, il y aura les qualifications pour les championnats d'Europe, j'espère en eau libre et en bassin, essayer de faire les deux. L'objectif, c'est vraiment maintenant arriver au niveau international en bassin et en eau libre, vraiment faire combiner les deux, parce que c'est important. Et puis on voit des personnes comme Patrick Neri qui domine le 1500 au niveau mondial, qui viennent vers l'eau libre, donc pourquoi pas l'inverse. Et puis moi j'ai vraiment envie de faire de belles choses sur le 1500 et c'est vraiment important pour notre discipline. Je pense que si on nage très vite sur le 1500, ça va nous servir sur le 10 km ou sur le 5 ou le 25. Donc je pense que c'est un travail qui se combine bien. Et puis je pense que cette année, ça sera plus au niveau chronométrique. Et puis on essaiera d'aller un peu titiller les meilleurs au niveau international en bassin. 45-6, 47-0. Il va falloir passer par la qualif qui sera vraiment difficile, même d'abord au niveau français et après ensuite au niveau international. Et puis si on est qualifié au JO de Tokyo, ça sera vraiment l'objectif principal, ça sera l'or. C'est dans un petit coin de ma tête, après d'abord ça sera les JO de Tokyo et puis j'espère que j'y participerai et faire un peu mieux que j'ai fait
à Rio. Et puis voilà, à Paris, ça reste vraiment un petit objectif entre guillemets, quoi, parce que voilà, nager devant son public, devant sa famille, ça serait vraiment extraordinaire, quoi. Ce qui va mettre vraiment en valeur notre discipline, c'est qu'il va avoir Paris, et Paris, voilà, les Jeux Olympiques, ça va être regardé de tout le monde, et ça, des gens vont vouloir y participer, et nous, en plus que ça va être dans la Seine, voilà, ça, je pense que l'Olympe, ça va être une des disciplines les plus importantes des Jeux Olympiques, parce que dans la Seine, ça va être vraiment regardé de tout le monde, et voilà, le comité olympique va devoir vraiment s'y préparer pour qu'on nage dans de bonnes conditions dans la Seine.